los terroristas. Yo, c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top. Je vous ai réveillé peut-être toi devant ton écran. Il est peut-être minuit chez toi et t'es en train de te dire wow, c'est une vidéo de genre caf. Et oui, je suis de retour les mecs, pour une vidéo avec le meilleur milieu de Ligue 1. Mais en termes de notes de général, hein, pas en termes de cœur, parce que pour moi, il y a un seul meilleur milieu en Ligue 1. C'est le seul, l'unique, la Sana Diarra, qui porte les couleurs de l'Olympique de Marseille, putain de ta mère. Mais aujourd'hui, c'est pas une vidéo avec la Sana Diarra. C'est une vidéo avec un autre milieu qui fait beaucoup parler de lui, en bien, en mal, en ce moment, c'est vrai, dans le rap, dans le foot. Il est un peu partout, ce joueur. Il s'agit bien sûr de Blaise Matuidi, Blaise Matuidi version 86, la version seconde in forme. On va tester ça. Je l'ai mis donc dans une équipe de Ligue 1 vraiment très compétitive, avec donc bah, une super équipe, hein, vous le voyez à l'écran. La Sana Diarra, Matuidi, Atem Ben Arfa au milieu de terrain. Mon dieu, ce milieu de terrain est magique. J'attends les tots parce que ce trio là en milieu, en tots, ça risque d'être magique. Au niveau de l'attaque, j'ai quelque chose de bien sympa aussi. On a bien sûr le grand Zlatan Ibrahimovic en buteur. Comment s'en passer dans une Ligue 1? À droite, j'ai du budget. C'est vrai qu'il m'a coûté un petit peu cher. Attendez, je vais regarder, je prends ma manette. Il m'a coûté quand même, ouais, 37 000 crédits, le petit Angel Di Maria sur le côté droit. Et puis sur le côté gauche, un joueur cheaté, fallait bien. Paul Jorge Ntel, voilà, un joueur que tu ne connais pas, mais qui est là, mais qui marque. Enfin, tu ne connais pas, si, mais il est souvent blessé. Et ensuite, défensivement, j'ai fait un peu avec ce que j'avais. Le petit Kevin Malpuy, qui est le seul défenseur droit français de Ligue 1 qui passe, je trouve. Et ensuite, Mangala, pourquoi? Me posez pas de questions. En Varane, parce que Varane, c'est la valeur sûre. Avec Marcello sur le côté gauche, que j'ai paqué. Marcello, d'ailleurs, voilà, je vous le dis. Et ensuite, bah, le seul, l'unique. Attendez, les mecs, j'arrive. Steve Van Banda, les mecs, Steve Van Banda. Il faut savoir être heureux des joueurs qu'on a à l'OM, parce que ça va pas durer, je peux vous l'assurer. Donc voilà, une belle équipe avec le petit Blaise Matuidi. Et juste avant de commencer, je tiens à te dire un petit truc. Il y a pas longtemps, je suis allé voir le match France-Russie, tu vois, au stade de France, voilà. Et je me suis dit, est-ce que ça vous intéresserait que je vous emmène avec moi? Que je vous prenne en vlog, voilà, comme ça, bam, je vous prends comme ça. Et on part, on y va. On va voir des matchs, on va voir un match au stade de France, même peut-être autre part, je sais pas, moi je suis quelqu'un qui aime bien voyager. Peut-être qu'on va aller voir des petits matchs en Allemagne, des petits matchs, ouais, je sais pas, au stade de Dortmund, à l'Allianz Arena, ou même en Angleterre. Ça ferait extrêmement plaisir d'aller voir un match de Manchester United. Moi je sais que ça me ferait kiffer. Donc les mecs, est-ce que ça vous tenterait que je vous emmène comme ça, bah, pendant une journée, quoi, aller voir un match tous ensemble? Je vous filmerai tout ça et on s'amusera bien. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Et si vous voulez que j'en fasse des vidéos, tout simplement, voilà, de ces petits road trips où on part dans des pays d'Europe et on visite un peu les stades de foot, tout simplement. Donc, trêve de blabla, maintenant pas de chôme, on passe. Oui, salut, enchanté. Hey, je m'appelle Jorkaf. On passe au match amical avec Matuidi Charo. Ah oui, j'ai oublié de te préciser un truc. Suis-moi sur Twitter, là j'ai balancé un tweet il y a pas longtemps, il y a quelques jours, pour le tweet My Draft. Je tourne ça là, bah pas dans la foulée, mais je tourne ça dans la foulée quelques jours après. Donc n'hésite pas à participer, hein. Twitter, lien dans la description. Si tu veux participer au prochain tweet My Draft, bah t'as juste, tu te crées un compte, si t'as pas créé un compte, tout simplement, hein, vous savez, ça ne vous engage en rien de créer un compte sur Twitter. Et comme ça, vous vous inscrivez, vous me follow, et ensuite vous mettez un numéro entre 1 et 5, et peut-être que vous serez sélectionné, je sais pas, pour le prochain tweet My Draft. Allez, là on est déterminé, vous avez vu, j'ai un peu baissé la caméra parce que là je suis. On va dire, voilà, vous êtes dans cette position là, c'est que t'as envie de gagner. T'as envie de gagner un truc. Donc allez, on va voir son équipe qui nous propose. Ouh, ça déconne pas, ça déconne pas du tout. Un très bon côté gauche, un très bon côté droit. Dans cette équipe, sincèrement, je pense qu'il n'y a aucune faille. Aucune faille. Non, j'en cherche mais j'en vois pas. J'en cherche mais j'en vois pas. Non, aucune. C'est une équipe bien, elle est très défensive. Mais aussi, c'est normal, t'as vu les joueurs qui l'en attaquent? Voilà, tout simplement. Espérons que le Matuidi Charo fasse la différence. Ou le La Sana Diarra. Voilà, je dis ça, je dis rien. C'est balancé comme ça, au milieu de la foule. Vous en faites ce que vous voulez. Il y en a un qui déconne pas dans l'équipe. Il y en a un, on n'a pas besoin de faire une vidéo pour savoir s'il est bon. C'est Zlatan. Vraiment, le mec, il déconne pas dès le début. Je pense que s'il n'y avait pas Petrosec, c'était mal parti. Oh, Atem. Il avait fait la diff. Il avait fait la diff à Atem Ben Arfa, je peux vous le dire. Oh Blaise, oh Blaise, Blaise. Non mais c'est quoi cette frappe? Bah là au moins c'est réaliste. Parce que Blaise en vrai il aurait fait une frappe comme ça. Sans déconner, à part contre l'OM, sinon il fait des frappes de merde. Oh, il est parti. Il est parti. La parade, Steve. Cette parade de Steve Mandanda, elle était
attendu, je pense. Moi, je l'attendais, je sais pas vous. Oui, moi, j'attendais ça. Et donc, une passe de Steve. Et donc, voilà, match très serré, vraiment. Des deux côtés, la frappe d'Arturo Vidal qui passe juste à côté, qui meurt avec le montant, comme diraient les plus mauvais commentateurs. C'est compliqué, mais en tout cas, nous, je trouve qu'on domine. Après, je commence à tirer, parce que là, peu de frappes pour moi. Allez, deuxième mi-temps, toujours 0-0. On espère que le score va se débloquer par l'intermédiaire de peut-être Blaise Matuidi. Atembe Arfa, HBA. On m'a dit qu'il a failli ramener la lucarne de Petrosec, mais il n'a pas réussi. Petrosec qui sort une belle parade. En tout cas, pour l'instant, son Petrosec il est présent. Là, je vais essayer de faire une tactique. Regardez, là, comme ça libère un espace central. Là, on la centre. Elle est pour. Et il y a coup de Mangala. Oh là là, c'est remis pour Blaise. Vas-y, Blaise. Vas-y, Blaise. Une 86 de général, tout ça pour ça. RT6 c'est triste. Mesdames, messieurs, ce match est chiant. Comment vous dire que ce match est ennuyant de A à Z? Les stades de la mi-temps et les stades de fin de match sont les mêmes. C'est les putains de mêmes. Voilà, c'est la même chose, il n'y a aucun tir, on s'ennuie. Donc je vais être obligé de faire les prolongations. Qu'est-ce que vous voulez les mecs, hein? Faut se forcer, youtubeur FIFA, c'est un métier difficile les mecs, vous le savez pas, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Quand il n'y a pas d'action à commenter, t'es comme un con, tu vas sur ton écran, tu fais bon. Cool. C'était quand la dernière frappe? Je m'en rappelle plus. Quand vous dites match de merde, c'est match de merde en plus. Blaise Matuidi, là, je vais vous donner mon avis là tout de suite hein, pour ceux qui ont envie. Blaise Matuidi ne vaut pas ses 125 000 crédits. Loin de là, très très loin de là. Ah, il ne les vaut pas du tout. Oh, ce but! Oh non, j'ai plus de caméra, il n'y a plus de caméra mais ce but! De la Saladiara, mon dieu, ce but! Cette roquette, la roquette de la Saladiara qui vient trouer Petrosec. Mais non, mais remettez-moi cette caméra, remettez-la moi, je ne peux pas vivre sans. Quel est ce problème? Non, cette lucarne magnifique de la Saladiara, il n'y a plus de caméra. Mais vous avez vu ce but? Il a, on va dire, renoué avec le public. C'est waouh, la Saladiara, la fucking Diara. Et maintenant c'est parti. Blaise, la grosse frappe de Blaise Matuidi. Oh mon dieu, il n'y a plus de caméra, mais on s'en fout parce que le foot c'est beau. Le foot c'est ce qu'on aime. Le foot c'est le bonheur. Et regardez-moi ce but de la Saladiara. Mon dieu, on finira cette vidéo sans caméra, mais mon dieu, que ce but était beau. Oh là là, cette lucarne magistrale. J'en fais trop? Ouais, on peut le dire. Le coup franc, il va être intéressant, directement. Ce coup franc qui va être tiré. Je sais pas qui est le meilleur en tireur de coup franc. Attendez, je vais regarder. Oh, Zlatan. Oh, les stats de Zlatan. Mais je crois que j'ai préféré... Ouais, non, j'ai préféré Zlatan, mon frère. Allez, Zlatan. Oh, trop fort, je le connais. Oh! Non, c'était pas trop fort du tout. C'était juste parfait. Oh, cette frappe, cette parade magnifique. Non, à un moment, il y a un gardien qui est trop fort sur ce jeu, c'est Petrosec. Et la parade qu'il vient de nous faire, elle est magistrale. Ouf. Blaise Matuidi. J'ai voulu mettre la même que face à l'OM. Mais j'ai pas réussi. En tout cas, c'est la 120e. Il est au bout du rouleau, mon adversaire. Je l'ai usé tout le match avec mon pressing. Et là, je peux vous dire que c'est justement grâce à cette fin de match. Regardez là, pressing de baiser. Récupération de Zlatan. Hop, Zlatan temporise. Il sait pas quoi faire. Il perd le ballon. Voilà. Très mauvais exemple. Et en tout cas, on s'impose. Il n'y a plus de caméra, mais c'est pas grave, les gars. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à poser un petit like. C'était Joe avec le meilleur milieu de terrain de Ligue 1. Bien sûr, la Saladiara. Allez, bye tout le monde.